Salut, c'est Florent Pietrus, joueur international de basket et ambassadeur MOSL. Je pense que pour le gamin de 15 ans qui est arrivé en France, j'aurais jamais imaginé faire une carrière comme j'ai fait. Donc c'est vraiment ce sentiment de fierté, de sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, parce que j'ai joué au plus haut niveau pendant 20 ans, j'ai fait cette passion qui m'animait à l'âge de 15 ans, un métier formidable, et je pense que c'est vraiment la fierté que je ressens en ce moment. Et c'est vrai que je cherchais aussi à continuer à prendre plaisir sur le terrain, et c'est vrai que Metz, avec les Canonniers, m'ont permis justement de continuer cette passion-là, mais aussi me permettre aussi de me dégager du temps pour ma reconversion. Commencer une formation d'entraîneur pour pouvoir aider les jeunes et leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent évoluer en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé tout ce qu'il me fallait ici, avec l'ambition qu'ils ont de monter un club de haut niveau dans les 5 prochaines années. Je pense qu'en 1h20 de TGV, on est arrivé à Paris. Et c'est vrai que le sport en Moselle se développe très bien. Et voilà, je pense que c'est aussi naturel aussi que la Moselle soit terre de jeu pour Paris 2024. Et le savoir, dans 3 ans, ce sera en France. Et c'est une joie immense pour tout le peuple français, pour tous les sportifs français. Je prends vraiment mon rôle d'ambassadeur à cœur. Quand je me déplace pour les rendez-vous, je parle aussi forcément de la Moselle, de ma région, de mon club. Donc voilà, je sais aussi que je suis ici aussi pour ça, pour promouvoir la Moselle, pour promouvoir le basket et le sport en général en Moselle. Donc voilà, je sais que j'aurai un rôle très très important dans les 3 prochaines années.